Ce bulletin des conditions de sentier de motoneige vous est offert par l'Association des motoneigistes du Québec. Un vaste choix de destinations s'offre aux motoneigistes qui désirent visiter de nouvelles régions en février. En Abitibi-Témiscamingue, les conditions sont excellentes et la portion de sentier entre Belleterre et Jonquin qui était en construction est maintenant terminée. En Outaouais, dans la Haute-Gatineau, l'état des sentiers est acceptable et il en va de même pour la Vérendrye et pour le Pontiac. Dans les Laurentides, toute la région affiche des conditions parfaites. C'est aussi le cas pour le secteur de Parent. Les sentiers y sont ouverts à 100% et les conditions sont excellentes. Dans la Naudière, connue comme le pays de la motoneige, tous les secteurs affichent la note A+, avec des conditions qui sauront satisfaire les plus exigeants. Il est important de noter que le sentier numéro 63, entre Saint-Michel-des-Saints et Rouge-Matawin, est ouvert. Par contre, il faut redoubler de prudence sur une distance de 4 km, puisque le sentier est partagé avec les camionneurs. Pour la Mauricie, la région de Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, les sentiers n'attendent que les motoneigistes qui pourront s'en donner à cœur joie. En Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent, deux régions où le fleuve, la mer et les montagnes se marient, les conditions sont magnifiques. En Estrie et en Montérégie, les conditions des sentiers varient d'un secteur à l'autre, entre acceptables et limitées, et les champs manquent encore de neige à plusieurs endroits. Plus au nord, Chaudière-Appalaches vous attend avec un réseau magnifiquement bien entretenu. Profitez du samedi et dimanche 11 et 12 février pour parcourir sans frais les sentiers de la province. La Fédération des clubs motoneigistes du Québec et ses 207 clubs vous ouvrent leurs portes sans avoir besoin d'un droit d'accès. Renseignez-vous pour plus de détails. L'ADMDQ vous rappelle que la prudence sera de mise tout au long de cette fin de semaine. Devenez membre de l'Association des motoneigistes du Québec et recevez directement à domicile le magazine des sports motorisés. Pour tout connaître, visitez le www.admdq.org. L'Association des motoneigistes du Québec. La voix de tous les motoneigistes.